Bonjour Mélilos, bonjour les amis de Prissy, bonjour ma famille. J'espère que vous allez bien et moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci beaucoup pour les partages, merci beaucoup pour les commentaires. Ça va droit au cœur et si c'est pour la première fois que tu vas regarder ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter et partage, 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 partage. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous parler d'une huile réparatrice éclaircissante pilon pour la peau. OK? Et je sais que jusqu'aujourd'hui, il y en a qui ne peuvent pas mettre la main sur un bon peeling, sur un bon exfoliant, des choses comme ça, des choses comme ça, des choses comme ça, des choses comme ça. Alors, aujourd'hui, je vous reviens avec une huile extra fort. Une huile très, 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 très forte pour faire piler la peau abîmée. Alors, cette huile, c'est pour les gens qui ont la peau, je dis bien la peau abîmée. OK? Pour les gens qui ont la peau abîmée, c'est une huile qui va aider à éclaircir. C'est une huile d'abord qui va aider à piler, éclaircir. C'est une huile qui va aider avec les taches, les vergetures. OK? C'est une huile qui est vraiment très, très, très efficace pour réparer la peau abîmée. Quand je dis à peau, la peau abîmée là, j'espère que vous avez l'idée de quoi je parle. On a de nos sœurs qui ont tellement utilisé les produits qui ne sont pas adaptés sur leur peau et aujourd'hui, ils se retrouvent avec une peau très abîmée, une peau pleine de vergetures, une peau qui est devenue tombante. Une peau qui n'est plus lisse. OK? Alors, cette huile va vous aider. Alors, c'est une petite bouteille. C'est une petite bouteille. Il faut acheter beaucoup pour un bon résultat. OK? Parce qu'il ne faut pas utiliser un produit. Tu utilises seulement un peu et puis tu vas te dire que, OK, il y aura la solution. La peau va se réparer. Non. C'est un produit que tu dois utiliser pendant un laps de temps pour atteindre les résultats souhaités, pour donner l'opportunité à ce produit de réparer la peau et de l'éclaircir, en même temps d'effacer les vergetures, d'estomper les vergetures, de resserrer la peau, de te rendre une peau très belle, lisse, soignée. OK, voilà cette huile-là. Ici, comme vous voyez, c'est très, très fort lui, c'est pas pour le visage. Attention, c'est pas pour le visage parce que quand on parle des vergetures là, on n'a pas les vergetures sur le visage. C'est une huile que tu peux utiliser sur le corps. Et pour les gens qui ont toujours les pieds bizarres, bizarres là, les pieds brûlés, les mains brûlées par des produits et tout ça, cette huile aussi va vous aider. Perso, je n'aime pas le peeling. Je suis plus avec l'exfoliation. Parce que l'exfoliation fait le travail doucement, vraiment très doucement, mais sûrement. Le peeling, ça vous donne le résultat très rapide, mais après, il faut le faire encore un peu plus. OK? Alors, comment utiliser ce produit? C'est de l'appliquer directement sur les parties concernées. Si c'est tout le corps que vous voulez faire piler, c'est-à-dire vous achetez, c'est pas 3, 4 bouteilles, 5 bouteilles. Vous allez vous appliquer cette huile-là sur le corps pendant 3 ou 4 jours, 3 fois par jour. C'est ce qui est recommandé dans la notice. Vous appliquez sur la partie abîmée, vous appliquez 3 fois par jour. Vous appliquez, vous attendez 10 minutes et puis vous rincez. Vous faites ça 3 fois par jour pendant, je crois, une semaine ou 3 jours. Vous allez voir que la peau qui est mauvaise là va commencer
à quitter et puis la belle peau va sortir. Vous allez traiter cette belle peau qui va apparaître. Ok, ça fait longtemps que j'ai ça, mais juste par manque de temps, je n'arrivais pas à faire la vidéo sur cette huile. Alors, je mettrai la photo pour les gens qui seront intéressés. Où tu l'as acheté? Je l'avais acheté sur Amazon, mais ils m'ont envoyé une lettre avec leur site. Et si j'ai le temps, je pourrais épingler le site dans le commentaire. Ok, si j'ai le temps, mais sinon, pour les gens qui vont me rappeler, je vais vous envoyer le site en privé sur Instagram ou ma page, La Cuisine de Louise. Ok, alors, pour les gens qui sont là pour chercher quel genre de peeling utiliser, voilà, un bon peeling très efficace, très, très, très strong, ok, pour enlever la mauvaise peau. Pour les gens qui ont la mauvaise peau, pour les gens qui sont en train de se battre pour enlever cette mauvaise peau qui est pleine d'écailles, pleine de taches, pleine de vergetures. Voilà l'huile qui va vous aider. Alors, j'espère que ça va aider une personne. Et quand vous utilisez ce peeling, c'est votre responsabilité. Personnellement, si j'achète cette huile, je le mettrai dans la lotion. Je vais l'utiliser comme ça. Personnellement, mais sinon c'est pas recommandé de mettre dans la lotion parce que personnellement j'aime pas le peeling, mais comme on vient pour partager, je partage. Peut-être il y a quelqu'un qui sait comment utiliser ce peeling et va s'intéresser à utiliser cette huile. C'est une huile qui est très très fort, ça peel bien en douceur, ok, très en douceur. Et attention, ne l'utilise pas sur le visage, ok. Ça, les vergetures, très efficaces sur le vergeture. Alors, pour le vergeture encore, n'allez pas parfois trop loin. Vous avez le rétinol qui va vous aider à resserrer la peau. Vous avez le niacinamide acide qui va vous aider à resserrer, estomper les vergetures. Vous avez tous ces acides-là qui peuvent vous aider avec les vergetures. Ok, essayez avec tous ces acides là, ça va vous aider avec les vergetures, parce que le travail d'un acide aux fruits, c'est de resserrer la peau et d'aider la peau à reproduire plus d'élasticité, plus de collagène. Ok, voilà. Donc moi je vous dis des gros bisous et je vous embrasse et passez un très bon dimanche, on se voit sur une autre vidéo. Peace.